Enjoy Phoenix, de son vrai nom Marie Lopez, est une youtubeuse beauté depuis 2011. Elle est née le 18 mars 1995 à Paris, mais déménage à Lyon un peu plus tard à la suite du divorce de ses parents. Elle grandit là-bas avec sa sœur dans une famille recomposée. Elle lance sa chaîne YouTube à 16 ans avec une vidéo sur les cheveux. Salut les filles, donc aujourd'hui, première vidéo, premier tuto. Peu après, elle atteint les 100 000 abonnés. En 2013, elle obtient son bac mais décide d'arrêter ses études pour se consacrer à sa chaîne YouTube. Sa chaîne comptabilise alors presque le million d'abonnés et lui permet d'avoir un revenu suffisant pour vivre. Elle explique lors d'une vidéo que son pseudo provient de sa devise Enjoy, qui veut dire profiter en anglais, et du phénix, un oiseau qui renaît de ses cendres. Elle se fait son premier tatouage à 18 ans avec marqué Enjoy avec une plume sur ses côtes. Je voulais pas un tatouage fait de toutes pièces, en tout cas pas pour celui-là. Je voulais vraiment un dessin original et nouveau. C'est en 2014 que Marie alias Enjoy Phoenix atteint le million d'abonnés. Pendant cette année, elle organise plusieurs rencontres avec ses fans. En tout, 16 meet-up de plus de 100 personnes sont organisées en 2014. 90% de ses fans sont des filles. En 2015, la youtubeuse sort un livre intitulé #EnjoyMarie, où elle parle de sa vie au lycée et du harcèlement scolaire qu'elle a subi. Elle décrit ce livre comme un pont entre l'autobiographie et le guide à l'usage de l'ado qui se cherche. À la rentrée 2015, elle sort une collection de vêtements avec RAD, un site de vêtements en ligne. Puis une édition limitée de produits de beauté avec Benefit, qui met en vente une trousse composée de ses produits de beauté préférés. Elle participe à différentes émissions de télévision en 2015 et 2016. Danse avec les stars dans la saison 6, aux côtés de son partenaire Yann-Alric Montreuil. Ensemble, ils atteignent la demi-finale où ils sont éliminés face au chanteur québécois Olivier Dion. Ils terminent à la 4e place. Elle anime également une émission sur Disney Channel dédiée à la série Soy Luna. Elle crée successivement de nouvelles chaînes où elle se consacre à la cuisine avec Enjoy Cooking et une chaîne consacrée uniquement à ses vlogs Enjoy Vlogging. Elle partage toute sa vie et est très proche de ses fans. Avec sa chaîne Enjoy Vlogging, elle raconte jour par jour ce qu'elle fait de ses journées. Elle co-anime des vidéos beauté pour la chaîne YouTube de M6 avec Amy Makeup Pro pour Rose Carpet. Elle teste des produits et font des unboxings. Elle anime pour J'aime Maybelline une émission appelée T'as pas du gloss pour laquelle elle est rémunérée. Pourtant, une responsable de L'Oréal avait affirmé que la youtubeuse n'était pas payée. En mai 2017, elle s'associe avec MAC pour confectionner un rouge à lèvres en édition limitée. Le 7 octobre 2017, elle atteint les 3 millions d'abonnés. Un tournant important dans sa carrière. Bon, on vient de passer les 3 millions d'abonnés sur ma chaîne YouTube. J'arrive pas à réaliser en fait. Je vous avoue que là, je suis plus choquée et contente. Elle participe de nouveau à des émissions de télévision avec deux éditions de Fort Boyard en 2016 et 2017, où elle affronte sa peur du vide. C'est trop fou. Elle gagne la saison 3 du meilleur pâtissier spécial célébrité sur M6 en 2018. À la suite de cette victoire, elle publie le 23 mai 2018 un livre de ses meilleures recettes de l'émission, mais aussi de nouvelles recettes exclusives. En 2018, elle lance sa propre boutique Leaves & Clouds en vendant des produits made in Europe. Aujourd'hui, Enjoy Phoenix comptabilise plus de 4 millions d'abonnés sur son Instagram et fait partie des youtubeuses beauté les plus influentes en France.